Maëlle, c'est chaud là, je crois que je me suis bloqué l'acromion. L'acro quoi? Qu'est-ce qui se passe, chérie? L'acromion, l'épaule quoi. Oh, comment je vais faire pour bosser aujourd'hui, moi? Faut que tu te fasses un cataplasme d'argile, que t'ailles voir un chirurgien orthopédiste. Non, deux, pour avoir un autre avis médical. Ok, maintenant, aucun geste brusque, à tout moment ça peut empirer. Je suis sûre que c'est rien. T'as dû faire un faux mouvement. Encore. Je te rappelle que j'ai l'inauguration du nouveau broyeur de la déchetterie avec le maire. Dans 45 minutes, trois conseillers municipaux, trois poignées de main. Je vais faire comment? Bonjour, monsieur. Oh, tente un salut à la japonaise. Tu t'inclines comme ça, de 15 degrés. Max, redescends un peu. Pense aux exo-respirations que la sophrologue t'avait donné. Mais j'ai pas le temps. Il faut que j'aille aux urgences. Il va falloir passer une IRM, un scanner. Faut aussi vérifier que j'ai pas une fracture de l'humérus proximal, parce que là, ça veut dire opération qui dépend des mois, une attelle dernier cri. Ça va nous coûter un bras. Tu crois qu'ils remboursent les exosquelettes à la sécurité sociale? Ah, ok, on déploie l'artillerie lourde là. Écoute, j'appelle immédiatement le docteur House. Oh non, mais là c'est tout le PEL qui va y passer. Hein. C'est pas grave, chérie. On oublie la maison, le jardin, le labrador aussi, on oublie tous les projets. Tant qu'on est tous les deux, on s'en sortira, hein? Puis alors pour les vacances dans le sud, tu peux faire une croix dessus. Hein, Maëlle? T'entends? Faut choisir, c'est le soleil ou mon épaule? Max! On a une très bonne complémentaire santé pour ce genre de petit bobo. Petit bobo? Tu veux dire qu'avec notre mutuelle, on est assuré, remboursé, libéré, délivré? Mais bah oui. Tous les contrats santé ne se ressemblent pas. J'ai choisi celui qui était le plus adapté à nos besoins. Bah les tiens. Surtout les tiens. Les miens et bientôt ceux de quelqu'un d'autre. Ça va mieux? Bon, ça va mieux. Comment ça, ceux de quelqu'un d'autre? Donc tu veux dire que... je n'ai pas papa? Ok. Alors il faut prendre rendez-vous avec la gynéco. Tout de suite. Pour tout comprendre et ne plus rien confondre, retrouvez votre web-série Ça va mieux sur le site de la MGEN, mgen.fr. Ça va mieux.